Le vendredi 18 mars 2005, un projecteur s'alluma sur la scène du Zénith toulousain, transformé en dojo géant pour ouvrir la 20e édition de la Nuit du Shaolin, un des plus importants spectacles d'arts martiaux en France. C'est plus de 5000 spectateurs, passionnés ou néophytes des arts martiaux, qui entrèrent dans ce temple martial d'un soir. Au menu de cette édition, des stars incontournables comme les sœurs Buil, championnes du monde de karaté, Roland Hernaez, 8e dame de Nihon Taijitsu, Myriam Baverel, vice-championne olympique de taekwondo, Steve Vigourou, champion du monde WKA, Christophe de Rougirou, entraîneur des équipes de France de full contact, Thierry Franzoni, champion du monde professionnel de full contact, et pour couronner le tout, ils étaient en tournée mondiale et se sont arrêtés à Toulouse, la 32e génération de moines du temple Shaolin. Le tout animé par un ancien adhérent du Shaolin Karate Club, autrefois capitaine de son équipe combat, animateur chéri de TF1, notre ami Jean-Luc Reichmann. Karaté, Jessica et Sabrina Buil, double championne du monde par équipe, 4 fois championne d'Europe, 6 fois championne de France. Après notre titre de champion du monde, il est évident qu'on va essayer de renouveler le plus de fois possible ce titre. Parce que nos principales concurrentes étant les japonaises, il est difficile de les détrôner plusieurs saisons d'affilée. Donc pour nous, ça va être des remises en question sans arrêt et puis d'arriver encore plus au top que d'habitude. Voilà. Et surtout, bien entendu, parce que notre objectif, en fait, à chaque compétition, n'est pas de renouveler que soient les mêmes kata ou en l'occurrence le même bunkai à la fin pour les finales. Donc le bunkai, je le rappelle, est un enchaînement avec partenaire. Chaque technique en fait exécutée dans le vide, dans un kata, a une représentation technique en combat réel avec un partenaire. Donc le but est de changer tout ça en même temps, faire des recherches différentes pour que ce soit notamment le public ou même les arbitres voient quelque chose de nouveau à chaque compétition. C'est vraiment l'objectif. Roland Hernaez, 8e Dan FFKMA, 9e Dan All Japan Budo Federation, président de la Fédération Internationale, auteur de plusieurs ouvrages et vidéos spécialisés, classé par la revue Karaté Bushido parmi les 32 professeurs qui ont marqué le 20e siècle. Taekwondo, Myriam Baverel, vice-championne olympique 2004 à Athènes, vice-championne du monde 2003, 8 fois championne de France.